heures, c'est maman Catherine. Je vais rendre toute la gloire au Seigneur. Parce que le Seigneur m'a guéri à la CMCI. Après la guérison, il a permis que je puisse avoir des enfants. Quand je venais à la CMCI, c'était en 2004. J'étais séropositive. J'avais un bébé de 4 mois. J'ai été déclarée séropositive en 2003. Au cours de la grossesse, j'avais 6 mois de grossesse. Quand j'ai fait les examens, c'est là que j'ai été déclarée séropositive. J'ai eu le zonant avant mon accouchement. Après mon accouchement, j'ai eu le zonant encore. J'ai eu le zonant 2 fois. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Je ne connaissais pas le Seigneur. Je pouvais faire une fausse couche parce que je faisais des nuits blanches. Je ne savais pas à qui il faut me confier. Mais le Seigneur était avec moi parce qu'il a un plan pour moi. Quand j'ai accouché, j'ai donné ma vie à la CMCI. L'enfant avait 4 mois. J'ai fait la repentance, le brisement de lien. Vraiment, j'ai fait le test de l'enfant. C'était négatif. Jésus-Christ. Quand l'enfant a eu 3 ans, il était à la maternelle. Mon beau, qui est du corps médical, a insisté à ce qu'on puisse faire le test de l'enfant encore. On a fait le test de l'enfant, c'est négatif. Mais moi, j'ai fait le test, c'est positif. Je refais le test, c'est positif. Et quand la convention de 2007 à l'orphelinat de Benjerville, quand le frère Isaac était venu, vraiment, quand ils ont annoncé, j'ai pris cela à cœur. J'ai dit au Seigneur, je vais à la convention, je ne reviens pas à LEVH. J'ai commencé à supplier le Seigneur. Et lorsque nous sommes arrivés à l'orphelinat de Benjerville, je me cachais toujours sous les bâches, en train de pleurer, demander pardon au Seigneur de me guérir de cette maladie. Les médecins sont incapables devant le virus. Les féticheurs sont incapables devant le virus. Il n'y a que toi, Dieu seul, qui peut me guérir, qui peut enlever ce virus dans mon sang. Et je suppliais le Seigneur. Et nous avons fait 5 jours. Le 5e jour, quand le frère Isaac priait, il citait le nom des maladies. Et quand il a dit, je prie pour les gens qui sont séropositifs. Et il a dit, j'insiste pour les gens qui sont séropositifs. Quand il insistait, j'ai ressenti quelque chose au niveau de mes hanches, là où j'ai eu le premier zonant. Une douleur très forte, comme si c'était là était ouvert, quelque chose sortait. Et j'ai commencé à bénir le Seigneur en disant, Seigneur, merci pour cette grande délivrance que tu as tenté de m'accorder. Et quand il a fini la prière, je n'ai plus ressenti cette douleur. Et nous sommes revenus à Bigon. Et j'ai décidé d'aller refaire le test de dépistage. Et quand j'étais partie refaire le test, le résultat est sorti négatif. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Guérison authentique du VIH. Healing of HIV. Je ne voyais pas mes menstrues. Après un mois, j'ai commencé à voir mes menstrues. Jésus l'a fait pour elle. Et il peut le faire pour toi. J'ai commencé à faire des fausses couches. 4 mois, j'ai fait fausses couches jusqu'à 5 fois. C'est la 6e grossesse qui est restée. Et j'ai fait un petit garçon. Et j'ai dit au Seigneur que je n'allais plus faire d'enfants parce que bon, j'ai pris de l'âge, je suis fatiguée. Mais le Seigneur, le plan de Dieu ne sont pas nos plans. Le Seigneur m'a surpris même avec une autre grossesse où l'enfant était bébé. Vraiment, j'étais troublée. J'ai eu peur parce que je pensais que le bébé allait mourir. Mais le Seigneur était avec moi. J'étais partie voir mon faiseur. Je lui ai dit que vraiment l'enfant est bébé, je suis enceinte. Que je ne sais pas comment faire, en pleurant. Il m'a dit, Dieu qui a permis que tu sois guérie du VIH. Le Seigneur même sait que tu as un bébé, tu n'as pas les moyens pour prendre une servante. Et c'est lui qui a permis que tu prennes grossesse.
il va se souvenir de toi. Ne crains pas. Le Seigneur va se souvenir de toi. Effectivement, le Seigneur a été avec moi, avec le bébé et la grossesse. Et quand j'ai sévré le bébé, ça n'a même pas fait 2 semaines depuis que j'ai accouché. J'ai dit merci au Seigneur. Parce que Jésus. Les enfants sont là en train de grandir sans maladie. Celui-là même, que je suis venue à la CMCI avec lui, il avait 4 mois. Il va passer le bac l'année prochaine. Les deux petits même que j'ai fait, ils sont là en train de grandir. Je vais rendre toute la gloire au Seigneur, à ce grand Dieu d'amour et de miséricorde qui a eu compassion de moi. Que son nom soit béni. Amen. Le Seigneur connaît ta situation. The Lord knows, he is aware of your situation. Il sait qu'est-ce qui t'a amené dans cette situation. He knows what sent you in this situation. Pendant que je parle, while I'm speaking, ceux qui ont déjà décidé, all those who have already decided, de crier à Dieu, to cry to God, ont déjà gagné. They have already won. Parce que c'est la seule chose que le diable ne voulait pas que tu fasses. That the devil doesn't want you or didn't want you to do. Je vous dis une vérité. Let me tell you something. Satan sait que si tu cries à Dieu, that if you cry to God, Dieu va te délivrer. God will deliver you. Donc son travail, so his work, de jour comme de nuit, day and night, c'est que tu ne pries pas. Is that you don't pray. Vous savez, quand Dieu avait envoyé Jonas annoncer la nouvelle à Ninive. When God sent Jonas to announce the good news to Nineveh. Jonas était un prophète qui s'aimait lui-même. Jonas was a prophet who loved himself. Il voulait que ses messages soient toujours accomplis. He wanted all comme il a annoncé. To be God, as he said. Et Dieu lui a dit, va annoncer à Ninive que s'il ne change pas, je vais détruire la ville. And the Lord asked him, go and tell in Nineveh that if they don't change, I will destroy the town. Il a refusé. He refused. Pourquoi? Why? Il disait que lui, il connaît Dieu. He said he knows God. Que si les gens se repentent là, Dieu ne va plus les frapper. If people repent, God will not strike them anymore. Donc il a refusé d'aller prophétiser. So he refused to go and prophesy. Le diable sait. The devil knows. Ce soir même. Today. Que si tu t'humilies. That if you humble yourself. Si ton cri parvient aux oreilles de Dieu, if your cries reach the ears of God, tu seras délivré. You will be delivered. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Oui, si vous voulez acclamer, acclamez, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Parce que la parole dit qu'on loue l'Éternel. La parole nous encourage même à louer l'Éternel parce qu'il est bon, parce que sa miséricorde dure toujours. Acclamez pour cela. The word is encourage us to praise the Lord because it's good and his mercy lasts for long. Lis du verset 17 au verset 22. Read from verse 17 to 22. Écoutez une autre situation dans laquelle les hommes se sont retrouvés. Listen to another situation in which human beings found themselves. Psaume 107 17 à 22. Du verset 17 au verset 22. Les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités. Les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités. The fools by their guilt behavior and iniquities. S'étaient rendus malheureux. Made themselves unhappy. Leur âme avait en horreur toute nourriture. They didn't want any food. C'est-à-dire que la vie du désordre, it means the life of disorder. C'est que la parole appelle leur conduite coupable. What the word called their guilty behavior. Les adultères, l'ivrognerie, adultery, les violences, les avortements, violence, toutes ces choses, all those things, les ont rendu malheureux. Made them unhappy. Oui. Verset 18. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Et la mort est là. And death is there. On souffre. There are suffering. On souffre. Suffering. On souffre. Suffering. La conduite. The behavior. A conduit à la souffrance extrême. Has led to extreme suffering. La mort est aux portes.
death is at the door. Touché aux portes de la mort. Found, touch the doors of death. Continue. Verset 19. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et les délivra de leurs angoisses. Même celle-là aussi. Que la mort, c'est-à-dire, tu es comme au bord de la tombe, là, on veut glisser, ton corps seulement est fermé. Like ils ont réussi à crier à Dieu. Il n'a pas dit, vous allez voir. He did not say you will see. Il les a délivrés. He delivered them. Vous avez écouté le témoignage. You hear the testimony. Dans notre génération, in our generation, quand quelqu'un a sida, VIH, sida, as HIV AIDS, c'est fini. It's finished. Mais cette sœur fut guérie authentiquement. Was healed genuinely. On a contrôlé, elle a contrôlé elle-même. She checked herself. Négatif. Negative. Le frère Zach nous a dit, Zach, allez contrôler encore. Go and check again. On a fait deux contrôles négatifs. We did it, and it was negative. De 2007 à 2021, ça fait combien d'années? To 2021. How many years? 14 ans. 14 years. Et Dieu a donné pour montrer que elle n'a pas de bonus, deux enfants, God, si je ne me trompe pas. Bonus, l'autre est venu même, l'autre était encore à la mamelle quand l'autre se positionnait dans ses entrailles. When the second one came. Tu ne dois pas désespérer. You must not be disappointed. Pourquoi Dieu a mis ça dans la Bible? Why does God put this in the Bible? Pourquoi les premiers, il dit, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Le deuxième groupe, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Le troisième groupe, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Quel est le message qui est dedans? Why the first cried and he delivered, the second cried and he delivered, the third cried and he delivered too. What is the message? Qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner? What does God want to teach you? De quoi Dieu veut-il te délivrer? From what God wants to deliver you? Est-ce que tu es sage? Are you wise? Quel est le message de Dieu? Quel est le message de Dieu? What is the message of il crie à l'Éternel, il est délivré de leurs angoisses. Il crie à l'Éternel, il est délivré de leurs angoisses. Il crie à l'Éternel, il est délivré de leurs angoisses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, tu dois faire quoi? Toi, tu dois faire quoi? So what should you do? Bon, va donc rester dans ta chambre. Seigneur, je suis mort. Va faire ça. Tu n'auras rien. So go and stay in your house. Il n'a pas dit, c'est lamentaire et l'Éternel les exauce. Il se lamentait et l'Éternel. Il dit, il criait à l'Éternel. He said, I cried to the Lord. C'est le message. This is the message. Il y en a qui sont, je suis découragé, tu vois, je suis découragé. Je ne peux même plus prier. C'est perdu, c'est fini. C'est fini pour toi. Dieu n'exauce pas ça. God does not reply. Il a dit, he said, invoque-moi au jour de la détresse. Call me the day of distress. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et tu me glorifieras. Vous voyez pourquoi il faut rendre témoignage. Quand Dieu te délivre, you, ne reste pas là passif. Don't remain there passive. Tu dis, je ne peux pas dire aux gens que j'avais le VIH. You say, I cannot tell people that I was HIV. Et que Jésus m'a guéri. And Jesus healed me. Une femme a obtenu la guérison en cachette. A lady got her healings in hidden. Jésus dit, qui m'a touché? And Jesus said, who touched me? Il savait, il pouvait partir. Qui m'a touché? La femme a commencé à trembler. She was trembling. Il dit, c'est moi, c'est she moi. Said, it's me, it's elle a raconté son histoire. And she told a story. Elle dit, va ma fille, ta foi t'a sauvée. She said, go, your faith has saved you. Invoque-moi au jour de la détresse. Call me the day of distress. Je te délivrerai. I will deliver you. Tu me glorifieras. And you will
glorify me. Écoutez la suite. Listen for following. Maintenant, Dieu se présente. Now God is introducing sur ce qu'il est capable de faire. On what is able to do. Lis la suite. Verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il et, offre. Écoutez. Verset 22. Il envoya la parole. He sent the word. Et les guérit. And healed them. Ça, c'est pour les invités. This is for the guests. La parole de Dieu the word of God vient avant toute chose. Comes before everything. Si dans ton cœur, if in your heart, tu as déjà décidé you have already decided que toi, tu ne peux pas accepter la parole de Dieu that you cannot accept the word of God, parce qu'elle te demande des choses que tu ne veux pas abandonner. Elle te demande d'abandonner des choses que tu ne veux pas abandonner. Because it takes that you forsake things that you don't want to forsake. Tu as déjà perdu pour l'éternité. I've already lost. Pour l'éternité. For eternity. Sauf si tu te repens. Unless you repent. Et lis pour nous Osée chapitre 5 verset 11 avant qu'on ne revienne. Osée 5 verset 11. Osée 5 verset 11. Osée chapitre 5 le verset 11. Ephraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Amen. Relis encore. Read it again. Ephraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Amen. Ce que Dieu reproche à Ephraïm ici, what God is reproaching to Ephraim, beaucoup de personnes commettent ce péché-là. People commit the same sins. Il y a des gens qui croient que Dieu existe. There are people who believe ils ne discutent pas. Exists, ils croient que Dieu existe. Discuss. Et Dieu même sait que ces gens-là croient en lui. Himself knows that those people believe into him. Donc ce n'est pas à ce niveau-là qu'ils ont des problèmes. It is not at that level that they have problems. Leur problème, their problem, c'est qu'ils choisissent les versets qu'ils aiment dans la Bible. Is that they choose the verses that they like in the Bible. Et ça les garde sous l'oppression. And it keeps them under. C'est-à-dire, ils ne sont pas délivrés. We mean they are not delivered. Ephraïm est opprimé is oppressed parce qu'il a choisi les préceptes qui lui plaisaient. Because he has chosen the word that he likes. Quand on dit aimez-vous les uns les autres, là and il prend. Oui, say, il prend. Yes, aimez-vous les uns les autres. Let love each one another. Quand on dit arrête l'adultère. When we say stop adultery. Il dit non. He says no. Dieu connaît, Dieu me connaît. God knows me. Il choisit les préceptes qui lui plaisent. The word that he likes. Et Dieu dit, c'est pour cette raison que tu n'es pas délivré. And God says, this is the reason why quand you on are not delivered. Quand on obéit à 100%. When you want to obey, you should obey 100%. Parce qu'il y a une parole qui dit que celui qui garde toute la loi et pêche contre un commandement, il est coupable de tous les commandements. It says the one who celui qui garde la loi et qui pêche contre un commandement est coupable de tous. And is guilty for one word is guilty for all of them. Tu ne dois pas choisir les versets qui te plaisent. You must not choose the verse that you like. Tu dois embrasser toute la parole de Dieu. You must embrace the whole word of God. Je te dis la vérité. I'm telling si you, tu continues à choisir les préceptes qui te plaisent, if you keep on choosing the word that you like, tu ne seras jamais délivré. You will never be delivered. Ce n'est pas que je te maudis. It's not that I am c'est ça qu'on appelle you dire la vérité. This is que personne ne te trompe.
telling the truth. Tu as choisi tu choisis deux commandements et tu les appliques très bien. Two commandments and you apply them very well. Mais Dieu va te juger dans là où tu n'as pas pris. But God will judge you where you did not take. Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? Éphraïm est opprimé. Pourquoi? Les gens se demandent quel est son problème. Pourquoi il est toujours... Et Dieu donne la réponse. Dieu dit que non. Son problème. Il choisit certains commandements. Il laisse les autres. Il choisit. Il mémorise tous les messages sur l'amour fraternel. Il rejette tout le conseil quand on dit ne fumez pas, ne buvez pas, ne commettez pas l'adultère. Non. Si vous insistez même, il quitte, il va dans une autre église. If you insist, he just leave the church and go to another church. Mais Dieu est puissant. But God is powerful. Écoutons ce qu'il peut faire. Let listen for what he can do. Verset 22 à 32. Verse 22 to 32. Psaume 107 du verset 22 au verset 32. Verset 22. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Ça, c'est une autre catégorie. This is another category. Leur problème n'est pas qu'ils ont volé ou bien ils ont commis les péchés. The problem is not that they have stolen or committed some sin. Ils sont menacés par une catastrophe naturelle. By a natural catastrophe. C'est-à-dire vous êtes dans la mer, le vent commence à soulever le navire. And what is the wind start putting things upside down. Tu peux travailler quelque part, les problèmes commencent. Tu utilises toutes les théories que tu as apprises à l'école, le problème est toujours là. Et on you dit qu'on va te renvoyer. And trouble started. You use all the theory that you have learned at school, but the trouble is still there. Le vent se soulève contre The wind came. Ils étaient devant le danger. They were before the danger. Et toutes leurs habiletés étaient vaines. And all their abilities were vain. Ils ont fait quoi? Ils ont crié. What did they do? Ils ont crié. They cried. Dieu s'occupe de tout le monde et dans tous les domaines. God takes care of everybody and in any field. Continue. Verset 29. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Verset 30. Il se réjouit de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Verset 31. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Verset 32. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Amen. Maintenant, continue. Écoutez très bien. Now keep on reading. Verset 30, à partir du verset 33. Il change les fleuves en désert. Il change les fleuves en désert. C'est-à-dire, Dieu te parle de lui-même. Que tu ne me fais pas confiance. Pourquoi, mon fils? Je change les fleuves en désert. Continue. Why don't you believe in me, my son? Et les sources d'eau en terre desséchée. Il change les sources d'eau en terre desséchée. He changed waters into dry earth. Le pays fertile en pays salé. Le pays fertile en pays salé. Il veut que tu crois. Il veut créer la foi en toi. He wants to create faith in you. Continue. À cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang. Il change le désert en étang. Dis amen. Ne soyez pas passif là. Cette parole ne vous juge pas. Au contraire, elle vous soulève pour déposer dans le sentier de Dieu. Don't be passive. This word is not judging you. It just takes you and puts you in the ways of God. Continue.
Et la terre aride en source d'eau. La terre aride en source d'eau, dis Amen. Il y établit ceux qui sont affamés. Il y établit ceux qui sont affamés comme toi et moi. Dis Amen. Ou bien toi, tu n'as pas faim. You are not hungry. Ah. Continue. Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils fondent une ville pour l'habiter. Vous voyez comment ils créent. Vous voyez comment ils créent une ville ici. Regardez une ville. Regardez une ville. Look at town. He's creating. Oui, continue. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes. Ils plantent des fields, plantations. Ça va et ça pousse et ça porte du fruit. And it grows and bears fruit. Continue. Et ils en recueillent. Vous savez, ça veut dire que tu peux trouver l'emploi dans un pays frappé d'une terrible crise économique. C'est ce que ça veut dire. In a country where there is a very big economic crisis. Si tu es une jeune fille, quand tu regardes à gauche, à droite, tu te dis, qui va m'épouser ici? Non, ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Il va sortir là, devant toi. Pam! This is not like that. He will create someone to marry you. La parole dit que Jésus lui-même est sorti comme une faible plante qui pousse d'un sol desséché. The word says that Jesus himself got up as a weak plant. Quand le diable pense que c'est fini pour les hommes. When the devil thinks that it's over for human beings. Voilà Jésus, bam. This is Jesus. Il est dans le monde déjà. He's in the world. Il va se débrouiller dans le désert là, c'est trop tard. He will try and manage everything in the desert, but it's too late. Oui, qu'est-ce que Dieu peut faire? So what can God do? Ils ensemencent des champs, plantent des vignes et ils en recueillent les produits. Tu vas travailler, tu auras le produit. And you will have a fruit. Tu verras. You will see. Si tu cries, if you cry, ce qui va arriver, what will happen? Tu déposes un de tomates. You put tomatoes. L'acheteur vient te dire, tu veux que je te donne combien, madame? The buyer come and say, what do you want? How much do you want me to give you? Vous voyez, ça c'est la bénédiction. This is blessing. Tu vends tout ça combien, madame? How much are all those tomatoes? Tu dis 25 000. You said 25,000. On sort sans t'insulter, sans discuter, on te donne. He gives the money without discussing, without agree. Ils ensemencent, ils récoltent. They will sow and they will harvest. Continue. Il est béni et ils deviennent très nombreux. Oh, il est béni, il est béni. Il est béni, il devient très nombreux. Il est béni, il est béni. Ça, les anciens doivent accueillir ça avec action de grâce. Les brebis vont se multiplier. Les brebis vont se multiplier, les brebis vont se multiplier. Alléluia. Amen. Oui, continue. Et ils ne diminuent point leur bétail. Jamais, jamais, jamais. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance? Versent-ils le mépris sur les grands? Les fait-ils errer dans des déserts sans chemin? Ils relèvent l'indigent et le délivrent de la misère. Alléluia. Et il va marcher avec toi and he will walk with you pour te délivrer toujours des complots. To deliver you every time c'est ce que ça veut dire. This is what it il dit dans le psaume 149, il glorifie le malheureux en le sauvant. He said it in psalm 149, he glorified the unhappy one by saving him. Oui, vas-y. Il multiplie les familles comme des troupeaux. C'est vrai. That's true. Continue. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Alléluia. Mais toute iniquité ferme la bouche. Mais toute iniquité ferme la bouche. Close the mouth. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Avant qu'on ne commence la prière, before we start the prayer, nous avons besoin de tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, qu'ils s'approchent ici. D'abord, levez vos mains si vous êtes là. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main. S'il te plaît, lève-toi rapidement, tu viens ici. Viens avec tes effets, venez ici. Parce...
On va commencer la prière bientôt. Venez vite, ne perdez pas le temps. We'll start my prayer soon. Come. On ne peut pas écouter ces paroles et rentrer sans crier à Dieu. We cannot listen to those words and go home without crying to God. Oui, recevez-les rapidement. Lève-toi et viens rapidement. Stand up and come quickly. Où est ton sac? Va chercher, allez chercher le sac. Vous n'allez plus retourner la base. Va chercher le sac. Où est ton sac? Ton sac. Oui. Où est ton sac? Où est ton sac? Ma soeur, où est ton sac? Va chercher. Il y a quelqu'un là-bas qui garde? Ok. Venez. Come. Acclamez très fort parce que je suis en train de... Venez. Come. Venez. Come. Il envoya sa parole et les guérit. He sent his word and healed them. Si tu vis dans le péché, if you live in sin, tu as besoin de Jésus. You need Jesus. Lève-toi et viens rapidement. Stand up and come quickly. Nous n'allons pas insister. We are not going to... Si tu restes assis, tu vas perdre. Viens maintenant parce que nous n'allons pas insister. Because we are not going to insist. Venez, mais tout de suite. Venez tout de suite. Come now. Jésus a dit, Jesus said, je suis à la porte, je me tiens à la porte et je frappe. I'm at the door and knocking. Je me tiens à la porte et je frappe. I'm at the door knocking. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, and open the door, j'entrerai chez lui. I will enter in je souperai house. Avec lui I will supper with et lui him. Avec moi. He and me. Dieu t'appelle. God is calling you. Même si tu es venu avec un ami, even if you have come with a friend, ne regarde pas ce qu'il va décider de faire. Don't watch at what he has decided. Le salut est individuel. Salvation is individual. Et Dieu t'appelle. And God is calling you. Réponds-lui. Answer him. Si tu es rétrograde, if you are a backslider, qui veut revenir? Who wants to come back? N'attends pas un appel spécial. Don't wait for a special call. Lève-toi, tu reviens. Stand up and come back. Rapidement. Quickly. Oui, acclamez très fort. Yes, clap. Clap loudly. Tu es un rétrograde. You are a backslider. Qui doit revenir? Lève-toi promptement et reviens. Stand up quickly. Lève-toi promptement et reviens. Stand up quickly and come. Tu es un pécheur. You are a sinner. Lié par un péché. Linked or attached by... Ça peut être le mensonge. It can be lies. Ça peut être l'adultère. It can be adultery. La fornication. Fornication. Ça peut être la fraude. It can be fraud. La corruption. Corruption. Lève-toi, tu reviens. Stand up and come. Lève-toi, back. Tu viens donner ta vie à Jésus. Stand up and come and give your life to peut-être Jesus. Que tu vis dans le concubinage. Maybe you are living in concubinage. Tu as pris la fille de quelqu'un. You have taken the daughter of someone. Et tu es en train de l'exploiter. And you are exploiting her. Et elle vieillit dans tes mains. She is growing old in your hands. Orabakashorabakasharabaka. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come.
Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Certains sentent leur cœur battre. Boum, boum, boum. Some can feel their heart beating. C'est Dieu qui t'appelle. It's God calling you. Ce n'est pas un démon, c'est It's Dieu qui te dit, va. It's God saying, go. Si tu étouffes cela, If you, c'est ça qu'on appelle, tu endurcis le cœur. It's what we call, you are hardening your heart. Quand ton cœur fait tout, tout, When your tout. Heart is beating, et tu essaies de rester calme, and fort. Try to remain quiet. On appelle ça tu endurcis le cœur. This is called you are tightening your heart. Et puis tu vas gagner quoi? And what will you gain? Le péché. Sin. Tu assis sur les ordures. You are sitting on waste. Tu assis sur la poubelle. You are sitting on waste, on the dust. Si tu donnes la vie à Jésus, If you give your life to Jesus, il va te laver. He will wash you. Il va te purifier. He will purify you. Lève-toi bien. Stand up and come. Deux minutes, on arrête. And we stop. Et on va prier pour les autres. And we pray for the others. Dans deux minutes, j'arrête. In 2 minutes, I stop. Si tu dois venir, viens maintenant. If you are to come, come now. Ne sois pas lâche. Don't be coward. Sois courageux. Be courageous. Ici, c'est la maison de Dieu. Here is the house of God. Personne ne peut se moquer de toi. No one can laugh at you. Lève-toi et viens. Stand up and come. Une minute. One minute. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Je détruis ta relation avec le diable. I destroy your relationship with the devil. Satan, va-t'en au nom de Jésus-Christ. Satan, go away in the name of Jesus Christ. Libère toute âme. Free any soul. Que tu tiens en captivité. That you are keeping. Va-t'en, va-t'en. Go away. Tu viens. Stand up and come. Qui a été délivré par cette prière? Que la personne vienne. Someone who has been delivered by this prayer. Let him come. Lève-toi, viens, tu viens. Stand up and come. Va-t'en, vite, 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 Satan. Go away quickly from here. Levez vos mains. Put up your hands. Que la personne vienne. Let the person come. 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 Que la personne vienne. Que la personne vienne. Let him come.
Je devais t'arrêter. Vous êtes des enfants de Dieu. You are children of God. Vous êtes devant les anges de Dieu, devant Dieu. I am aware. Et lave-moi par ton sang. Clean me, wash me by your blood. Et écris mon nom dans ton livre. And write my name in your book. Oh Seigneur Jésus. Oh Lord Jesus. Je ne veux plus recommencer. I don't want to do it again. Dis Seigneur. Say, Lord, j'accepte. I accept. Qu'on me sépare de la malédiction qui est dans ma famille. I can be separated. Qu'on me sépare de l'idolâtrie. Separated. Qu'on me sépare des liens de sorcellerie. Separated from ties of witchcraft. Parce que c'est Jésus que j'aime. Because Jesus I love. C'est Jésus que j'aime. It's Jesus I love. Oh, Seigneur Jésus. It's you, Lord Jesus, that I Merci, love. Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus. Si tu es un frère, tends la main vers ici. If you are a brother, lay your hand here. Et bénissons ces frères. And let bless those brothers. Que les desseins de Dieu s'accomplissent dans leur let vie. The purposes of God happen in their life. Prions ensemble. Let's pray together. Seigneur éternel. Nous te bénissons. We bless you. Nous prions que tes desseins s'accomplissent. We pray that your purposes dans la vie de ses enfants. Life of those children. Que tes desseins s'accomplissent. Let your purposes que tes desseins s'accomplissent. Happen in que tes desseins s'accomplissent dans la vie de ses enfants. In the lives of those children. Que ceux qui sont malades soient guéris. Let heal those who are sick. Que ceux qui sont poursuivis par les démons soient délivrés. Deliver those who are pursued by demons. Kura bakashara bakashoro bakashara ora bakashara baka. Que tout esprit méchant qui vous a suivi se retire au nom de Jésus-Christ. That any wicked spirit that follows you to go out. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Que tous les liens de sorcellerie de malédiction soient brisés au nom de Jésus-Christ. Of witchcraft and curse should be broken in the name of Jesus. Merci Seigneur Jésus. Thank you Lord Jesus. Merci Seigneur Jésus. Thank you Lord Jesus. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas prié? Qui s'est ajouté à peu près? Avec some people who came later. Oui, mettez-les à part, ils vont d'abord prier. Il y a une prière que vous n'avez pas faite, allez la faire. Please go and prove a prayer you si tu es arrivé en retard, va rapidement prier comme nous avons déjà prié. Il manque une prière dans If ta you vie. Came, let go and pray quickly the prayer we have just prayed. Est-ce qu'il y a un autre orgueilleux qui est dans la salle? Is there any other proud man in the hall? Dieu l'appelle. God is calling him. Il veut venir en cachette. He wants to come hidden. Tu vas perdre. You will lose. Tu as même déjà perdu. You have already lost. Parce que nous avançons déjà. Because we are moving forward. Tenons-nous debout. Let's stand up, please. Si tu n'as pas reçu Jésus, tu restes assis. If you have not received Jesus, you remain seated. Si tu te lèves, tu te troubles pour rien. If you stand up, you are troubling yourself for nothing. Ce n'est pas une réunion d'enseignement, ce n'est pas une réunion d'enseignement, c'est une réunion où on parle à Dieu. Of teaching. It's a meeting. We speak to God. Voilà, vous êtes déjà prêts. Asseyez-vous rapidement. Asseyez-vous d'abord, après vous allez vous lever. Il y a les places derrière. Si tu as invité quelqu'un If you have invited someone, qui n'a pas Jésus dans sa vie who has not Jesus in his life, et tu vois qu'il est audacieux. On dit de rester assis, il se lève. You see that he dared to stand up. Why he should remain seated? Dis-lui pour l'amour de Dieu qu'il s'asseye. Tell him for God's love, God's sake,
let him parce sit down. Le fait qu'il soit debout est déjà un mensonge. The fact of being stand up is a lie. Et ça peut attirer la malédiction dans sa vie. And he can attract curse. Donc protège ton invité en lui disant pardon pour aujourd'hui, assieds-toi. So protect your guest. Asseyons-nous d'abord. By telling him for today, please remain seated. On ne va pas se moquer. Nous voulons que nos prières montent au ciel. We are not going to laugh at you. We just want our prayer to reach him. N'ajoute pas ta prière, ça va gâter. Don't add your prayer, it will waste our prayer. Pardon, reste assis. Please remain seated. Je parle à haute voix. Pardon, reste assis. Please remain seated. Parce que si tu te lèves, because if you stand up, je vais vous faire proclamer les choses selon la parole qui te condamneront. I will make you proclaim things according to the word which will condemn you. Exemple. For example, Seigneur, Lord, tu sais que je t'aime. You know I love you. Et que j'ai obéi à ce que tu m'as demandé. And that I have obeyed what you requested. On appelle ça les proclamations. These are proclamations. Si tu n'as pas obéi, en répétant, tu mens. If you have not obeyed by telling it, you are lying. Et ça attire la malédiction. And it attracts curse. Mais si tu restes assis, but if you remain sitting, c'est bon. It's good. Quand tu seras prêt, when you'll be ready, si Dieu t'accorde la grâce, if God gives you the grace, tu pourras prier. You can pray. Maintenant que j'ai bien averti, now that I que, les, que ceux qui ont reçu Jésus se tiennent debout maintenant. Let those who have received Jesus stand up. Maintenant, si quelqu'un se lève par audace, c'est son problème. Up, vous, vous pouvez vous lever promptement. Levez-vous promptement. Vous avez reçu Jésus publiquement. Okay. Maintenant, now, tu prends les 10 sujets. You take your 10 topics. Tu te souviens du texte que nous avons lu dans Psaume 107. You remember the text we read in Psalm 107. Frère, promise? Il faut qu'il y ait un miracle dans ta vie. It must be a miracle in your life. La prière que nous allons élever maintenant. The prayer that we are going to pray now. Quand elle va monter. When it will go up. Dieu va se souvenir de toi. God will remember you. Parle-lui. Speak to him. Parcours ta liste. Go to your list. Si tu es là pour la première fois, if you are here for the first time, et que tu es un enfant de Dieu, and that you are a child of God, tu ne savais pas qu'on avait prière à présenter. You didn't know that you have prayers to show. Tu ne viens que de l'apprendre. You are just hear it. Demande à Dieu. Ask God. La chose qui te tient à cœur. The thing that you want. Ça peut être une chose, deux choses, trois choses, quatre choses, cinq choses. One, two, three, or five things. Nous avons permis que ce soit jusqu'à 10. We just allow people to have 10. Demande-lui. Ask him. En pensant au texte que nous avons lu. By speaking to the text we read. Parle-lui de ta situation. Speak, tell him your situation. Tu verras. You see. Il criera à l'Éternel. They cry to God. Il les délivra de leur angoisse. And il criera à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Il criera à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Toi aussi, crie à Dieu, crie à l'Éternel, il va te délivrer de tes angoisses. He will deliver you from your anguishes. Ça peut être la maladie, it can be sickness. Ça peut être une situation économique, it can be an economic situation. Ça peut être une situation sociale, it can be a social situation. Ça peut être une situation académique, it can be an academic situation.
Ça peut être une situation professionnelle. Ça peut être ton ministère spirituel. Ça peut être relatif à ton appel. Dieu va t'entendre. Dieu va t'entendre. Dieu va t'entendre. Et Dieu va t'exaucer. Dieu va t'exaucer. Dieu va t'exaucer. Demandez à Dieu ce que vous voulez. Ask God what you want. Ne crains pas, demande-lui. Fear not, ask him. C'est gratuit, tu ne payes rien, dis-lui. You pay nothing. Oh, rakabaka sharabaka. Oh, lidabaka shurubaka namaka namana. Ça peut être au sujet de quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est un ami. It's maybe a friend. Ça peut être un parent. A parent. Un ami. A friend. Ça peut être un patron. It can be your boss. Ça peut être ton collègue. It can be your colleague. Pourvu que ce soit une préoccupation pour toi. Provide it should be a concern for you. Pourvu que ce soit une préoccupation pour toi. Lève tes mains. Dis, oh notre Père. Oh Dieu tout-puissant. Oh powerful God. Exauce-nous. Answer us. Exauce-nous. Answer us. Exauce-nous. Answer us. Par tes compassions. By your compassion. Par ta bonté. By your goodness. Ta bonté. Your goodness. Et ta miséricorde. By your mercy. En faveur des fils de l'homme. Oh Père, ta bonté et ta miséricorde en faveur des fils de l'homme. Continue à intercéder, continue à intercéder. Thank you.
Dis, oh Père, oh, Father, qui d'autre que toi peut nous aider? 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 Exauce-nous, exauce-nous. Exauce-nous, exauce-nous. Exauce, 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 exauce. Oh, oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, écoute nos cris. Écoute nos cris. Écoute nos cris. Exauce. Viens à notre secours. Continue à prier, à plaider, à prier, à plaider. Prie à plaider, à prier, à plaider. Gora makashe karama la makara maka. Goro makasa karama kora makara masama. Goro makasa karama koro makara masama. Goro makase re makaso makare makase makara makase maka. Gori dalbaseme kere bala maseme. 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 Dieu, oh Père, oh, délivre-nous des pièges dans lesquels nous sommes tombés. Délivre-nous de la mort et du séjour des morts. Dieu, des conséquences de notre rébellion. Oh, nous avons méprisé ta parole. Nous avons méprisé ton conseil. Oh, Père, pardonne, exauce, pardonne, exauce. Pardonne, exauce, pardonne, exauce. Pardonne, exauce, pardonne, exauce. Pardonne, exauce, pardonne, exauce. Dieu, oh, Père, des montagnes, des montagnes, des montagnes. Des montagnes, des problèmes. Notre sagesse est anéantie. Notre intelligence est anéantie. Notre habileté est anéantie. C'est une confusion totale. Pas de moyen pour s'en sortir. Oh Père. Oh Père. Exauce-nous. Délivre. Délivre, délivre. Brise les chaînes, brise les chaînes. Que les verrous de fer soient rompus. Que les chaînes des reins soient rompues. Oh, que les verrous de fer soient brisés. Oh, agis contre les prisons. Agis contre les prisons. Brise les prisons. Détruis les pièges. Oh, donne des ordres à la mer. Délivre les grandes eaux. Oh, interviens dans les cieux, interviens sur la terre. Interviens sous la terre. Interviens dans les eaux, interviens sous les eaux. Interviens dans le séjour des morts. Interviens dans les abîmes, dans les abîmes. Oh, Père, oh, Père. Agis maintenant, maintenant. Viens à notre secours. Prie en langue, prie en langue. Kalabaka, Seribaka. Urabaka, Shurubaka, Labaka, Seribaka. Urabaka, Sharakabaka, Sherikaltara. Ronda Ramakel Basende Kere Balta, Reda Balta Masendal Vaj Nabuni, Goria Bakaseve Kere Dal Bakara Mazanai, Holy Karaba, Sekarabakura Kabaka, Urabakasere Kabara Kasere Kabara, Goria Bakasere Karabaka. Dieu Père, exauce-nous. Dieu Père, exauce-nous. Opère des miracles dans le désert. Opère les miracles sur les rochers. Oh Père, entre toi-même dans nos batailles. Entre toi-même dans nos batailles. Manifeste ta puissance. Manifeste ta sagesse. Manifeste ta miséricorde. Oh Père, tu t'es révélé à nous ce soir comme Dieu de toute bonté et comme Dieu de miséricorde. Viens, viens, viens. Que celui qui est courbé soit redressé. Que celui qui a touché aux portes de la mort soit délivré. Oh, guéris du VIH, guéris du sida, guéris du cancer, guéris du cancer, guéris des hépatites, guéris des poumons, guéris des reins, guéris de la tête,
guéris de la gorge. Guéris, guéris. Oh, esprit de guérison. Oh, Père, envoie sur nous l'esprit de guérison. Envoie sur nous le miracle de la guérison. Le miracle de la guérison. Le miracle de la guérison. Continue à prier, continue à prier. Dieu Père, agis contre la volonté humaine. Agis contre la volonté du diable. Agis contre la volonté des hommes pervers. Agis contre la volonté des hommes méchants. Oh, suprême juge, donne des ordres à notre sujet. Par tes compassions et ta miséricorde. Ne nous abandonne pas, ne nous abandonne pas, ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas, ne nous abandonne pas. Oh Père, amène chacun à son port désiré. Oh, fais palper la prospérité à chacun de nous. Il est écrit dans ta parole que tu as pour nous les projets de paix et non de malheur. Oh Père, accomplis pour nous tes projets de paix. Accomplis pour nous tes projets de paix. Que nos ennemis soient sous nos pieds. 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 Au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi. Please sit down. Tu gardes le calme. You keep quiet. Si tu as un vœu à faire à Dieu, tu le fais le vœu. If you have a vow to do to God, you do it. Mais ne sois pas insensé. Sois sage devant Dieu. Be wise before God. Si le Seigneur te révèle un péché, tu l'abandonnes tout de suite, tout de suite. A sin to you, you abandon it now. S'il y a des démons qui se manifestent, if there are demons, qui s'en aillent maintenant. Let them go now. Que tout démon qui sait qu'il doit partir s'en aille. Let any demon who knows he must go, go. Quand les autres partaient, il fallait les suivre. Va-t'en maintenant. Go now. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Si tu es un démon qui s'est approché au jour de la détresse, if you are a demon which has come the day of distress, quand la personne était découragée, when the person was discouraged, tu as profité. You take advantage. Va-t'en maintenant. Go now. Va-t'en vite. Go quickly. Tu es venu au jour de la détresse. You came at the day of distress. Va-t'en, tu es jugé. Go now, you are judged.
Que tout esprit qui a profité de la détresse, le jugement de Dieu est contre toi. Va-t'en, va-t'en vite, vite. Go away quickly. Tu vérifies dans ta vie s'il n'y a pas eu un péché que tu n'as pas abandonné parce que Dieu veut faire tomber les baobabs. Oui, tout dans ton cœur, tu dis Seigneur, c'est fini, j'ai compris. Ce sont des choses rapides. En quelques minutes, tu as réglé ton cœur. Et celui qui doit partir va partir. Prie impur. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, va-t'en. Tu n'as pas de place ici. Va-t'en, 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 va-t'en. Go away, go away. Va-t'en, vite, vite. Go quickly. Va-t'en. Go. Sors et va-t'en. Go out. Et vite, vite. Quickly. Si tu es un esprit de sommeil, if you are a spirit of sleeping, qu'on a envoyé pour détruire une vie de prière, who has been sent to destroy a life of prayer, va-t'en vite. Go quickly. Tout de suite, va-t'en vite. Right now, quickly. Si tu es venu contre la vie de prière, if you have come against the life of prayer, tu es renversé au nom de Jésus-Christ. You stop in the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Si tu es un esprit de maladie, if you are a spirit of sickness, venu pour troubler, you have come to trouble a life. Même si tu n'as pas encore commencé le travail, even if you have not yet started the work, tu es jugé. You are judged. Va-t'en vite, va-t'en. Go quickly. Esprit et plus de maladie. Spirit of sickness. Va-t'en vite. Go quickly. Tu es brisé. You are broken. Si tu es venu t'opposer à un mariage, you have come to oppose a marriage, et que tu as résisté jusqu'à ce jour, and you have been resisting till today, va-t'en, sors et va-t'en. Go out. Nous te renversons. We
Nous brisons tes obstacles. We break your obstacles. Nous libérons ce mariage. And we free this marriage. Si tu es venu t'opposer à un mariage, if you have come to oppose a marriage, renversons ces barrières. We overthrow you. Nous libérons ce mariage. We set this marriage free. Va-t'en. Go away. Va. Tu es renversé. Brisé. Broken. You are broken. Tout démon, any demon, même les esprits humains, even human spirits, si tu es venu te tenir sur le chemin to stand on the way d'un projet de mariage, of a project of marriage, va-t'en. Go away. Va-t'en. Go away. Sors et va-t'en. Go out. Va-t'en. Go. Sors. Go out. Nous cassons vos œuvres. Break the works. Nous libérons ces mariages. Tous, nous les libérons. Nous te renversons. Nous te jetons dans la poussière. Nous délivrons tes captifs. Nous délivrons tes captifs. Va-t'en, vite. Go quickly. Sors et va-t'en. Sors. Sortez. Même si vous constituez une armée, nous dispersons cette armée. Oh, raga, nous dispersons cette armée. Nous vous chassons tous. Nous libérons tout projet qui a été bloqué. Satan, va-t'en. Au nom de Jésus-Christ. Va-t'en. Va-t'en, vite. Libère et va-t'en. Remets tout ce que tu as volé, va-t'en. Remets ce que tu as volé, va-t'en. Remets, va-t'en. Que les hommes, les femmes restent libres. Dans les desseins de Dieu. Pour obéir à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Partez. Go. Lève ta main droite, dis, nous brisons. Nous désorganisons. Le royaume du diable. The kingdom of the devil. Dis, le mariage est une institution de Dieu. Dis au nom de Jésus. Nous proclamons que le mariage est pour les hommes. Is for men, for men. Dans le monde ambiant, dans le monde physique. Pas dans la sorcellerie. Pas dans les ténèbres.
démon. Demons. Va-t'en. Go. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Go. Sorobaka, 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 Dieu a créé le mariage pour l'homme et la femme. Dans notre monde physique. Tu nous jugeons les mariages dans la sorcellerie. Nous jugeons les mariages dans les ténèbres. Gardez le calme. Keep quiet. Démon, tu ne vas pas rester. Demon, you won't remain. Va, suis les autres. Follow the others. Dis, nous insistons. Insiste. Tout démon, demon, les esprits humains, spirits, les membres de la famille family, qui s'opposent spirituellement à tout projet de mariage, marriage, contre nos frères et sœurs, nous jugeons. Oh, regarde la caméra. Dieu au nom de Jésus. Dieu au nom de Jésus. Nous détruisons ce qui a été fait en parole. Nous détruisons ce qui a été fait en action. Tous les symboles, tous les signes qui ont été utilisés dans la magie, l'occultisme et la sorcellerie. Nous détruisons, nous démolissons et nous libérons les captifs. Oh rabaka shaka rabaka rabaka shaka rabaka 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 shaka baka rabaka shaka. Left hand and right. Dieu au nom de Jésus. Nous nous levons contre l'armée de pauvreté. Tous ces démons et tous ces agents parmi les hommes, nous jugeons cette armée. Nous brisons le joug de la pauvreté. Que tout esprit qui est entré dans la vie d'un frère pour l'appauvrir, qu'il soit entré avant sa conversion ou après, sors et va-t'en. Sors et va-t'en, sors et va-t'en. Nous brisons tes œuvres. Nous jugeons tes œuvres. Oh, rabakashi, 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 prions en langue, prions en langue. Prie en langue. Coria cabara, coria cabara, coria cabara.
Gloria kabara koria karabaka shekara bakara kaseba. Garde le calme. Keep quiet. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Va-t'en et ne reviens plus. Va et ne reviens plus. Au nom de Jésus-Christ, que tout démon caché dans un corps ici s'en aille au nom de Jésus-Christ. Va-t'en, 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 va-t'en. Sors et va-t'en. Esprit malsain, esprit impur, sors et va-t'en. Au nom de Jésus-Christ. Oh, rigabaga shik baga. Oro bakashar gabaga shir gabaga la gabaga shar gala. Oh, dal matse me kere balta yavazna. Lo ni beli bala se kumi. Eli abana se kumi. Eli bala se kumi. Ori bala se kumi. Se kumi se kamea dare. Eli se kumia sama, oli baliba semia, Adonai semia samiani, eli semia samani, eli sema samani, eli sema samani, eli sema samani, Luria lava se kumi, Gloria se kumi, Gloria se kumi. Gloria sekumi, Adonai sebikalimani, Donia sekumi, Adonai sekumi, Adonai sekumi, Gloria bala sekumi, Adonai sekumi, Alamani sekumi sana, Alamani sekumi sana, Alamani sekumi sana e. Gori sekumi saman, Gloria sekumi saman, Gloria sekumi, Gloria sekumi, Eli ye sekumi, Gloria sekumi, Gloria sekumi, Gloria sekumi, Gloria sekumi, Gloria sekumi. Gloria sekumi sene, Gloria vala semiania, Gloria sekumi, Adonai sekumi samia, Gloria la sekumi samiani, Gloria la masekumi, Gloria sekumi, Denia, Denia semani, Gloria sekumi, Gloria sekumi. Gloria sekumi. Gloria kabagash kabaga. Tiens-toi debout. Gloria kabagash kabaga. Kabagash kabaga. Kabagash kabaga. Consacre-toi à Jésus. Consacre-toi à Jésus. Jésus. Donne-toi à lui corps, âme et esprit. Prions ensemble. Gloria kabagash kabaga. Kabagash kabaga. Kabagash kabaga. Gloria kabagash kabaga. Kabagash kabaga. Kabagash kabaga. Ora kabaka jurbaka 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 ora kabaka jurbaka 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 ora kabaka jurbaka 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 ora kabaka jurbaka goba jurbaka goba jurbaka ora kabaka jurbaka goba jurbaka.
Dis merci à Jésus. Dis-lui merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Asseyez-toi. Cinq personnes pour dire merci, pour dire ce que Jésus a fait dans leur vie ce soir. Cinq personnes. Les autres, ça sera demain. The rest will be tomorrow. Trois déjà. Quatre. Donne-leur rapidement le micro. Cinq. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Jamala Kouajouana. Mon faiseur des disciples, c'est le frère Bamba. J'aimerais dire merci à Dieu parce qu'il m'a permis... Ça doit être ce soir, hein, pas hier. Parce qu'il m'a permis de parler en langue. Il m'a donné le don de parler en langue. Acclamation à Jésus-Christ. Et mon deuxième fait, c'est que ton papa a dit, s'il y a une personne qui a proclamé que vous n'allez jamais vous marier dans ta famille, frère, j'étais assis là et il y a quelque chose qui est remonté et j'ai commencé à vomir. J'aimerais dire merci à Dieu. Amen. Suivant. Gloire à Dieu. Amen. Je suis le frère Amate Nganza. J'ai pour faiseur de disciples Aboya Timothée. Je suis d'Abongourou, dans une sous-préfecture d'Abongourou qu'on appelle Ebila Sokoro. Et la sœur qui a été délivrée des choses de la folie, pas plus que hier, je partais pour payer quelque chose au marché, je l'ai vu, l'esprit me conduisait comme quoi de lui dire qu'aujourd'hui tu dois être délivré. Elle a parlé en entier et puis les femmes ont ri. Je dis, Seigneur, si ta parole est vérité, que cette dernière, je lui ai dit qu'elle sera délivrée, elle ne croit pas et puis elle se moque de moi. Tu n'es pas un Dieu, on doit se moquer. Il faut prouver. Le Seigneur est prouvé. Donc je lui dis infiniment merci. Suivant, merci. Suivant. Amen. Je suis la sœur Kofi. Non, on ne s'ajoute plus. Ça, bon, ça va. Ça. Je bénis le nom de Dieu parce que quand papa a pris la parole, il a commencé à prêcher et j'ai commencé à supplier la grâce de Dieu. Quand j'ai baissé ma tête et j'ai vu une maison cassée, ça c'est la première. Maintenant, la deuxième, j'ai vu dans une forêt. Les chaînes sont tombées et j'ai vu les voies ouvertes comme ça, bien propres. Et la troisième, j'ai vu un grand trou comme ça et puis ils ont versé les sels dedans. Je bénis le nom de Dieu. Amen. Amen. Acclamation rapidement. Lorsque le pasteur, je suis la sœur Gourène Charlotte Louise, disciple du pasteur Boniface Meunier. Et lorsque le pasteur a dirigé la prière en précisant qu'il priait donc contre les esprits de pauvreté, effectivement, j'ai vu qu'ils étaient tous rassemblés ici. Tous les esprits, je ne comprends pas, je le voyais, c'est-à-dire il y a les anges qui les amenaient pour qu'ils soient jugés ici au milieu. C'est-à-dire ça représentait tous les esprits qui... étaient dans nos maisons, les esprits de pauvreté, c'était l'indigence. Il y avait des bouteilles, il y avait de l'alcool. Jésus-Christ. Et tout était vidé, il y avait des assiettes. Le Seigneur me disait, tu vois, les petites assiettes comme ça, là. Alors, c'était de la fumée partout sur les casseroles. Et tout était rassemblé. Le Seigneur me dit, j'ai dégagé les esprits de pauvreté, d'indigence. Jésus-Christ. Et un ange est venu avec un grand balai. Il a commencé à balayer et tous étaient dégagés. Ça, c'était la... Et lorsqu'il était en train de finir, le Seigneur m'a dit, tu vois, maintenant quelqu'un est venu avec un grand arrosoir et c'était comme un grand tuyau. Il était en train d'assainir maintenant. Il disait, j'assainis. À partir d'ici, tout est nettoyé. Vos vies se représentaient là, dans vos maisons. C'est fini. Je bénis le Seigneur pour ces grandes choses finies. Il est en train de faire effectivement. Amen. Amen. Rapidement. Gloire à Dieu.
Moi, c'est la sœur Onésie Huen. Mon faisait des disciples, c'est l'ancien écras de Benjévi. Quand tout à l'heure, l'homme de Dieu tentait de prier, qu'il a dit que tous ceux qui ont bloqué nos mariages, si c'est un esprit humain, qu'on devait les lier. En même temps, Dieu me montre une vision où je vois ma grand-mère qui était nue. Elle a commencé à enlever son morceau de pain devant et devant toutes les bagues. Il y a plein de bagues qui sortaient. Et elle partait en brousse pour faire sortir les robes de mariage. Beaucoup, beaucoup. Et elle vient me dire encore que tes chaussures, tu as porté. La fois enlevée, ce ne sont pas tes chaussures. Voici tes chaussures. Donc, je rends gloire au délivrance authentique. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Fatim Koné. Pendant que nous étions, il y a plusieurs disciples, l'ancien Saul Ouest Olivier. Pendant que nous étions de prier, j'ai eu une vision. Comme s'il y avait un coffre dans l'eau rempli d'argent. Surtout quand on disait l'esprit de pauvreté. Un coffre dans l'eau rempli d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent dans l'eau. C'est comme si les sirènes des eaux bloquaient tout cet argent-là. Beaucoup d'argent dans l'eau. Donc, quand on priait, je ramassais cet argent, je ramassais cet argent, je ramassais cet argent. Amen! Amen. Lève ta main droite. Put up your right hand. Dis au nom de Jésus. Nous amenons à l'existence des situations réelles qui vont nous faire entrer dans les bénédictions, dans les bénédictions que le Seigneur annonce à travers les visions. C'est un sujet de prière. It's a new topic of prayers. Quand tu marches, when you walk, tu dis, nous créons les conditions, you say we create the conditions pour que les promesses s'accomplissent. So that the promise come to life. Vous avez le résultat. And you see the results. Lève ta main droite. Put on your right hand. Dis au nom de Jésus, in the name of Jesus, nous créons les conditions, we create the conditions pour que les promesses s'accomplissent. For the promise to come to life. Nous les créons au niveau visible. We create them in the invisible nous les créons au niveau visible. Et nous proclamons que les promesses que Dieu nous a faites that the promise that God has given to vont s'accomplir come to life. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen.